Salut tout le monde, c'est Ulysse de VIP pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel après 3 mois d'absence. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, maintenant que Windows 10 est sorti en version grand public, je vais vous montrer quelques astuces que vous pourrez utiliser et qui vous sont très utiles sous Windows 10. Donc première astuce, alors ça pourrait vous paraître un peu étonnant, mais comment revenir au système antérieur? Donc en effet, si vous n'appréciez pas Windows 10 ou que son interface ne vous plaît pas, vous aurez peut-être envie de revenir à votre système d'exploitation précédent. Donc par exemple, ça pourrait être Windows 8, Windows 7, Windows XP. Donc pour revenir au système précédent, c'est pas très très compliqué. Il vous suffira d'aller donc de cliquer sur le menu Démarrer, d'aller dans Paramètres, donc moi en anglais Settings, d'aller dans Mise à jour et Sécurité, donc moi c'est Update and Security, d'aller dans Recovery, donc Restauration pour vous, et de cliquer sur Get Go Back to an Earlier Build, donc revenir à une version antérieure. Donc vous voyez, il vous suffira de cliquer sur Commencer et de suivre les instructions. Voilà. Deuxième petite astuce, donc comment, alors ça pourrait vous être assez utile, comment redimensionner son menu démarrer. Donc en effet, vous voyez, le menu démarrer est personnalisable, vous pourrez choisir sa taille. Donc en effet, il vous suffit de pointer votre souris sur une bordure du menu démarrer. Et vous voyez, vous pourrez le redimensionner comme ceci, voilà. Ou alors comme cela en horizontalement, voilà. Voilà, et donc vous voyez, ça s'affiche tout ça. Tac. Troisième astuce, donc comme vous l'aurez remarqué, alors attendez, voilà, exactement. Donc, comme vous l'avez remarqué, donc il y a une petite boîte où vous pouvez faire des recherches. Donc cette boîte peut s'avérer encombrante, puisque déjà si vous cliquez dessus par erreur, bah genre ça peut être encombrant parce que ça s'affiche sur une grande partie de votre écran. Et au pire, vous pouvez ne pas en avoir besoin, ou voilà, donc vous pouvez ne pas l'aimer. Eh bien, il est possible de la retirer ou au moins de la cacher. Donc vous allez faire clic droit, recherche. Alors ici vous pouvez cliquer ici si vous voulez juste montrer le petit bouton de recherche, donc vous voyez ici la loupe. Et vous pourrez faire masquer en français, donc disabled en anglais, si vous voulez le supprimer complètement. Voilà. Alors, astuce, donc vous pouvez aussi maintenant dans Windows 10, vous pouvez faire des bureaux virtuels. Donc c'est un truc assez utile. Donc il vous suffit par exemple, donc pour créer un nouveau bureau, il vous suffit de cliquer sur New Desktop. Et donc par exemple, vous pouvez vous faire voilà plusieurs bureaux, comme ceci, voilà, un desktop 2. Vous pourrez choisir ce que vous voulez, ce que vous pourrez avoir besoin. Par exemple, vous pourrez faire un bureau 1 pour la musique, un bureau 2 par exemple, enfin moi, parce que moi je fais beaucoup de musique sur ordinateur, un bureau 2 pour le travail, etc. Et vous pourrez ne mettre que les icônes nécessaires, et ainsi vous pourrez mieux gérer un bureau jeu, voilà. Et vous pourrez ainsi mieux gérer votre ordinateur et comment il est organisé. Voilà. Ensuite, donc d'autres astuces pour être plus efficace. Donc dans Windows 10, vous pouvez épingler un réglage au menu démarrer. Donc c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez par exemple, comme j'utilise, vous savez, comme j'utilise, je fais de la musique, j'utilise beaucoup un clavier MIDI. Et bien du coup, j'ai épinglé le dossier connecter un appareil au menu démarrer. Donc pour ce faire, c'est aussi assez simple. Donc vous allez cliquer ici dans Paramètres. Ensuite, donc vous allez choisir un paramètre au hasard, donc moi je vais pas m'embêter. Et vous allez cliquer, donc moi je vais refaire le même, vous allez cliquer sur le paramètre, vous allez faire un clic droit dessus. Et donc moi ça va être Unpin, mais par exemple si je fais Bluetooth, ça va faire, voilà, vous pouvez l'attacher au menu démarrer en cliquant sur Pin to Start. Et ainsi il s'affichera dans votre menu et vous gagnerez un peu de temps. Autre gain de temps, donc vous savez, si vous avez un peu suivi, vous verrez que quand vous ouvrez votre explorateur de fichiers, il y a un dossier Quick Access. Donc c'est-à-dire que vous avez ici les 10 donc dossiers que vous utilisez le plus souvent et les 20 fichiers que vous ouvrez le plus souvent. Donc c'est donc ce dossier, vous pouvez ajouter un dossier au Quick Access, donc à l'accès rapide. Donc c'est assez simple. Donc par exemple, je vais faire un clic. Donc vous faites un clic gauche en premier sur ce dossier, ensuite un clic droit. Et vous cliquez sur Pin to Quick Access, donc attaché à accès rapide. Et voilà, et donc vous verrez le dossier s'afficher. Donc moi par exemple j'avais fait ça pour Kanye Quest. Et vous verrez que mon dossier Kanye Quest s'affiche ici. Voilà. Et vous verrez cette petite icône montre qu'il a bien été épinglé. Voilà. Alors, autre astuce
Donc là, ça c'est plutôt une astuce pour vos yeux, enfin en tout cas pour votre vue. Comment augmenter la taille du texte des icônes? Donc c'est assez simple, vous avez ici, faites un clic droit. Vous cliquez donc sur Display Settings, donc en français je ne sais pas ce que ça donne, mais je pense que vous reconnaîtrez. Voilà. Et vous cliquez sur Change the size of the text, donc changer la taille du texte. Voilà. Et là, il vous suffira de redémarrer votre PC et vous verrez le changement normalement s'afficher. Voilà. Oui. Là, je crois que le texte est plus grand. Enfin, je sais pas, j'ai pas pu voir. Enfin, voilà. Enfin, donc dernière petite astuce. Donc là, c'est vraiment une toute petite astuce. Donc, vous voyez dans le menu démarrer, vous avez cette petite liste de programmes que vous utilisez le plus souvent. Donc, moi, je trouve que c'est pratique, mais certaines personnes pourront ne pas aimer cette liste. Donc, il vous suffira de faire un clic droit. Normalement, attendez, voilà. Attends, non, pardon, je me suis trompé. Il suffit de cliquer sur paramètres. Donc, alors voilà. Personnalisation. Start. Et vous cliquez sur. Donc là, c'est. Donc, Store and Display, donc c'est-à-dire montrer les programmes qui ont été récemment ouverts. Et bien, vous cliquez sur Off. Et du coup, ça ne s'affichera plus. Bon, moi, je vais le garder On, puisque moi, j'en ai envie. Voilà, donc c'était quelques petites astuces, donc 7 ou je crois au total 6 ou 7, enfin 7, 6 ou 7 astuces concernant Windows 10. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Sur ce, moi je vous dis salut et à un trop prochain tutoriel. Tchuss!